On est avec Arnaud Brière et je suis venu les mains dans les poches. Voilà, dans les poches. Pour la première fois, j'ai pas de canne, pas de leurre, j'ai rien. Tout simplement parce qu'Arnaud, il est guide, il est là, il s'affaire à côté de moi. Et il va me guider tout simplement, il va m'apprendre à pêcher le sandre, que ce soit en vertical, que ce soit en linéaire, que ce soit en drop shot, la perche également. On va essayer de faire un petit peu de brochet, pourquoi pas toucher un silure, on ne sait pas. On ne sait pas sur quoi on peut tomber, on est sur la Seine, un terrain très connu d'Arnaud qui pêche également, qui guide également en Irlande. Hein. On aura l'occasion d'en reparler, le club Ezog, ça vous dit certainement quelque chose. Ça va Arnaud? Ça va bien? Ouais, bah, écoute, je suis en pleine, ouais, moi, je te laisse faire. En pleine action, là, en pleine confort. Sélection de l'heure. C'est génial, mais alors... D'habitude, quand tu guides, tu laisses la canne au client, mais là, je vais te demander de prendre une canne parce qu'on veut quand même voir du poisson à la caméra, on veut quand même prendre du poisson. Ah bah, donc, si ça ne te dérange pas, tu prendras une canne et tu vas pêcher à côté de moi parce que moi seul, je ne vais pas y arriver. Ouais, c'est un plaisir, hein. C'est toujours plus agréable de pêcher avec les gars. Bon, super. Pas de problème. Dis-moi, le cendre, on va attaquer sur quoi? Tu m'avais dit, on peut faire du linéaire, de la verticale, du drop shot. Ouais, le principe, on essaie de voir un peu tout. Oui, on a une Seine qui est un petit peu entre deux. Elle est encore très basse pour la saison. Les conditions sont assez difficiles. Il y a pas mal de courant, c'est à peine trouble. Donc on n'est pas vraiment dans une situation de crue, hein, qui a tendance à concentrer les poissons et à faciliter la pêche. On n'est plus non plus dans les conditions d'automne, parce que l'eau a bien refroidi, il y a quand même pas mal de courant. Donc le thème aujourd'hui, ça va être d'essayer de prendre un petit peu le tout venant, les différents carnassiers qu'on peut trouver sur la Seine. Principalement ici, on a du cendre, de la perche, un peu de brochet et du silure. Donc on va démarrer ce matin en pêchant un petit peu le cendre. Ça va être l'occasion de balayer un petit peu les techniques de pêche qu'on peut utiliser sur ce secteur, que moi j'utilise. Donc on va pêcher en vertical, hein, la plomb du bateau. Okay, on va pêcher en linéaire, c'est-à-dire en lancer, ramener, avec un contact sur le fond. On pêchera peut-être aussi un petit peu en drop shot. Très bien, moi je connais pas trop le drop shot, donc tu vas m'apprendre, c'est parti. Tu vas voir, ça n'a rien de compliqué. Ouais. Et puis on va aussi essayer de prendre un brochet. Donc là, on sortira du matériel un peu plus gros, on pêchera avec des jerkbaits, des fumbaits, on en reparlera un peu plus tard, on fera ça cet après-midi quand il y aura un peu plus de lumière. Super. On profite d'être encore un petit peu tôt le matin là, pour attaquer le cendre. Du coup, si on pêche à deux, c'est bien, ça va être complémentaire, on va pouvoir mettre deux techniques en parallèle, notamment deux types de leurres en parallèle, multiplier les coloris pour essayer de trouver le bon pattern, hein, c'est-à-dire la bonne pêche du jour. Et comment tu choisis après le grammage? Est-ce qu'on va pêcher en 5 grammes, en 10 grammes? Comment ça se passe? Alors le principe de la pêche en verticale, hein, c'est de pêcher à l'aplomb du bateau. En fait, c'est de tracter un leurre à proximité immédiate du fond, plus ou moins doucement. Moi, je fais ce qu'on appelle du speed jigging, c'est-à-dire que j'ai tendance à pas insister sur une zone, mais à dévaler avec le courant et à présenter mon leurre aux poissons qui sont en poste, donc ils ont relativement peu de temps pour prendre finalement. Comme le leurre descend avec le courant, il y a peu de vibrations. Ouais. Donc après, ce qui va déterminer le grammage qu'on va mettre sur le leurre, c'est la profondeur à laquelle on pêche. Évidemment la puissance du courant, parce que si on s'arrête un petit peu, tout de suite la ligne prend de l'angle. Mmh. Et puis surtout après, la forme et le grammage de la tête plombée vont déterminer la façon dont le leurre va se poser sur le fond. Typiquement, si plus mon poids va être lourd et plus le leurre va redescendre rapidement sur le fond, plus il va être light et plus mon leurre va revenir en planant sur le fond. Mmh. Moi j'aime bien, j'aime bien ce type d'action, donc j'ai plutôt tendance à pêcher assez léger, d'autant que comme je ne m'arrête pas dans le courant, j'ai pas vraiment besoin d'avoir un poids important qui me permette de garder ma ligne à l'aplomb, donc j'ai tendance à pêcher un petit peu light. Okay. Faut qu'on reste en contact avec le leurre. Alors, de toute façon, c'est vrai dans toutes les pêches au leurre souple, dans toutes les pêches, il faut garder le contrôle de la ligne, donc il faut quand même sentir ce qu'on fait. Donc si tu pêches trop léger et que tu perds le contact ou que tu n'arrives pas à contrôler ta ligne, c'est pas bon. Mmh. Donc il faut trouver le juste milieu. Le courant n'est pas très important, on va descendre avec le courant doucement. Je pense qu'on peut pêcher entre 14 et 18 grammes.
D'accord. Okay. Qui ne sont pas des plombées, qui sont pas des, des grammages très importants pour la pêche en verticale. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui n'hésitent pas à pêcher en, en 21, 25, 28 grammes pour rester parfaitement à l'aplomb du bateau. On a aussi le fait qu'on ne pêche pas une zone qui est très profonde. Hein. Alors, on va pêcher 7 mètres, 8 mètres, peut-être 9. Mais bon, comme on descend encore une fois avec le bateau, pas de problème. D'accord. Tac, voilà. Comme on pêche à deux, on va démarrer. Moi, je pêche beaucoup avec des finesses, avec ce type de leurre. D'accord. Hein. Qui sont des leurres qui brassent beaucoup moins, qui prennent des poissons plus méfiants, un petit peu plus méfiants, un petit peu moins actifs. Moi, la paddle, la queue, là, elle va forcément bouger plus d'eau, quoi. Alors, tu vas avoir plus de vibrations. Ouais. D'accord. Moi, un petit peu moins. Voilà. Après, comme mais ça veux, peut vraiment fait, jouer, quoi. Vraiment. Il y a des jours. Moi, j'ai remarqué. Il y a vraiment des jours où on est plutôt sur les chats, donc avec des vibrations qui sont assez marquées. Et puis des jours, on est sur des finesse. On utilise des finesses. On est sur des vibrations qui sont beaucoup plus soft, beaucoup plus souples. Ok. Ça marche. Donc un petit nœud raccord tout simple. Hein. Donc moi j'utilise, je pêche avec une tresse relativement fine. Je ne suis pas non plus un extrémiste, comme on a souvent affaire à des beaux poissons ici, et qu'encore une fois on pêche pas très profond. J'ai pas besoin de fendre l'eau, donc j'utilise pas forcément des tresses qui sont extrêmement fines, 6, 8, 10 comme on voit souvent chez les verticaliers purs et durs. Moi j'utilise des tresses entre 10 et 13 centièmes. Et puis après derrière je mets un bas de ligne qui fait 2 mètres de long. Ce qui suffit largement, ouais. À mon sens, en ouais. Discrétion sur la scène. Ouais. J'utilise des ballings en 20. Alors, ça dépend entre 21 et 30 centièmes selon les conditions. D'accord. Voilà, je te laisse le choix des armes. Tu choisis ce que tu veux. Bah non, mais tu préfères celui-ci. Moi, non, je préfère rien du tout. Il me plaît celui-ci. Moi, je veux que tu prennes des poissons. Donc, j'aimerais bien qu'on en. Si je pêche avec toi, j'aurais bien en prendre aussi. Ouais. Mais bon, voilà. Allez, go. Verticale là j'ai mon leurre qui tape le fond de temps en temps. Alors, je remonte de quoi, 10 cm, 15 tu remontes cm. À peine, tu peux quasiment, en général moins il y a d'animation et mieux c'est, il faut que tu sois juste au-dessus du fond. Tu peux l'animer tout doucement avec un tout petit mouvement de canne qui doit vraiment être minimaliste, et puis tout doucement tu viens reprendre le contact avec le fond. La pêche là comme ça en verticale, c'est pas vraiment parce que les centres ils sont posés sur le fond. Ils sont collés sur le fond. Alors ils peuvent être décollés hein, de 10 cm, 1 mètre. C'est, en fait, l'avantage, c'est que ton leurre, il passe vraiment doucement, quoi. Il passe à la vitesse du courant. Ne pas trop, là. Tracte au fond. Fais pas ça. Faut pas que ton leurre, il fasse ça dans l'eau. Parce que d'accord. Traîner au fond. Je laisse traîner. Quasiment pas d'animation. Là. D'accord. Parce que moi, je suis en chat et toi en finesse. Ouais. T'animes plus. Moi, j'anime plus. Moi, j'ai besoin que mon chat, j'ai besoin que mon finesse, il fasse ça. Ouais. Toi, ton leurre, il descend. Chat, le battoir, il bouge avec la descente, ça suffit. Ça marche. De temps en temps, hein. Tu peux une fois, mais faut pas faire l'ascenseur. D'accord. Et là, si on sent la moindre touche, tu fermes. On ferme. Là, le en premier. Direct. Petit cendre, on va pas le toucher, je le remets à l'eau directement pour pas l'abîmer. Et c'est tout. Hop là. Pratique. Poisson. C'est bon, il est bien pris, on dirait. Un gros, mais bon. Good play. Il l'avait bien pris de côté le leurre. Hein. Le il leurre a pas du tout agobé, hein. Il l'a attaqué. Attaqué comme ça, quoi. Ouais. Un centre de 40. Pas bien grand, mais bon. Yes. C'est pas une super touche. La verticale, c'est vraiment de la pêche au millimètre, j'ai l'impression. Alors c'est une pêche au millimètre, il y a différentes façons de la pratiquer. Moi je fais beaucoup ce qu'on appelle du speed jigging, c'est-à-dire je descends avec le courant.
Donc mon leurre, en fait, donc, ça permet de grammer un petit peu moins. Mon leurre, du coup, il vibre très peu. Hein. Il descend avec le courant, donc il a une vibration qui est très faible. Les poissons en flop sont habitués à ça. C'est vrai que des fois, après remonter, le fait de pêcher en remontant, ça fait vibrer davantage le leurre. Donc ça peut aussi déclencher des touches. D'accord. Il faut trouver la bonne anive, la bonne animation, le bon tempo. Puis après, rien ne nous empêche, si on tombe sur un endroit où on voit des poissons, on a des belles détections, d'insister dessus, de tourner. Alors on voit qu'il y a du poisson entré dans la balastière, hein, parce qu'il y a beaucoup les cormorants sont là. De cormorants, ouais. Et puis là, ils sont en chasse, hein, ils sont actifs, donc il doit y avoir du poisson fourrage en dessous. D'accord. Là, nos leurres, on les voit là, c'est ça, hein. Alors, ton leurre, là, moi, toi, tu peux pas le voir, c'est l'extérieur, ça c'est le mien, ça. Tu vois, c'est grave, je pense qu'on le voit là. Ah, ok. Là, je suis bien au-dessus, tu vois, on voit bien. Alors le sondeur il te permet de repérer évidemment les poissons mais aussi surtout les petits obstacles que tu peux éviter. Donc n'hésite pas à lever ton leurre de 20 cm pour passer au-dessus. L'obstacle vient de la droite hein, de toute façon. Alors tu peux pas savoir parce que c'est un cône, hein. tu sais pas s'il est là ou là. D'accord. Mais dans le doute, tu lèves un petit peu. En plus souvent il peut y avoir un poisson derrière. Toujours intéressant de venir reposer son leurre derrière une branche, un petit monticule de pierre. Ou... Alors le seul problème de cette technique, c'est qu'on regarde plus la nature. Ah, les filles, on est. Ah, c'est vrai t'es que. Bloqué sur l'écran, c'est un jeu vidéo là. Bon, en même temps, c'est un peu à la mode, hein, mais. Si t'as pas de sondeur, c'est impossible. Alors, si, c'est possible. Si. Il y a des zones qui sont très pêchées où moi je coupe les sondeurs parce que c'est quand même. Parce que tu connais le lieu parfaitement. Je connais le lieu parfaitement, je sais que les poissons sont là, faut pêcher en confiance. Mais souvent, le ping du sondeur en fait, hein, sur les endroits qui sont très pêchés où les poissons sont un peu ils éduqués. Truc, ouais, ça, c'est un signal danger là et ça cale un peu les poissons. C'est très vrai sur le cendre et sur le silure. Oh là, c'est quoi ça C'est ce qu'on cherche. Il y a du monde là, c'est sûr et certain. Allez. C'est les poissons à coller au fond. Hein. Ouais, ça arrive souvent. Hein. Je l'y sens. Et voilà. Super. Oh, c'est un brochet encore. C'est encore un broc. Oh la vache, il est où ? Chouette. Nickel. Bravo. Bon, j'étais sur la même zone que qu'on est sur la même zone que tout à l'heure, hein, de toute façon. Génial. Hein ouais. Sympa. Ah, il est beau. Petit brochet de scène. Ouais, complètement magnifique. Super, super, super. Aussi comment voilà un truc qui peut paraître simple aussi mais comment on met une tête plombée sur un leurre souple. Alors effectivement moi j'ai beaucoup de gens qui montent leur tête plombée un petit peu rapidement un peu de façon aléatoire ce qui fait que bon la tête plombée n'est pas toujours bien axée elle est pas toujours là, et on se retrouve avec un leurre qui est un peu écrasé comme ça qui est pas droit ou voilà donc c'est rien ça prend 2 secondes ce qu'il faut juste faire avant c'est regarder à quel endroit donc c'est venir positionner sa tête plombée à côté du leurre souple. C'est de regarder à quel endroit va sortir la hampe de l'hameçon et de le marquer. Donc là, je vois elle va sortir ici, je l'ai sur les yeux, toc, je fais une petite entaille sur mon... Et donc, d'accord. Je sais exactement à quel endroit je dois sortir ma hampe. D'accord. Donc je viens, alors ensuite, hein, c'est pareil, on essaie de pas... On regarde, une fois qu'on a fixé là, on regarde à quel niveau il faut mettre sa tête plombée. Est-ce qu'il faut la mettre plutôt vers le haut, plutôt vers le bas, hein, sachant que sur le cendre, et surtout les poissons d'ailleurs, plus la hampe, plus l'hameçon est dégagé, et moins on aura de raté au ferrage. D'accord. Donc je viens la positionner bien au centre. Ça, c'est un truc qu'il faut prendre 2 secondes pour le faire, pour bien se positionner. Je suis très souvent sur le leurre souple, sur la ligne du dessus, là. Vous avez une petite ligne de colle, en fait, hein, l'endroit où il y a le moule, etc. Ça vous permet de suivre le passage de votre hameçon. Donc je viens rentrer, et je ressors exactement à l'endroit où j'ai fait ma petite marque. J'enfonce ma tête plombée jusqu'au bout.
Et là, j'ai un leurre qui est monté, je pense, j'espère correctement. Ouais, il n'est pas plissé, il est parfaitement dans l'axe. Ouais, il on le voit bien. Ce qui fait que mon leurre va nager correctement. S'il a du rolling, il va le faire correctement parce qu'un leurre qui est mal monté, il va nager comme ça. Mmh. Oh, bon, je ne dis pas que ça ne prendra pas de poisson, mais voilà. Plus ou moins maniaque. Tu le vois tout de suite, au pire, tu le mets dans 50 cm d'eau, tu vois comment il nage. Normalement, c'est bon. Mais là, de toute façon, on voit bien qu'il est bien monté, c'est propre, c'est rapide. D'accord. Ça prend 2 secondes, c'est un petit coup à prendre. Et ça fait partie des tout petits plus, des petites choses qui font que bah, des fois, on attrape un poisson de plus. D'accord. Bon, alors attends, atelier, je vais essayer de le faire aussi. Bah, vas-y. Si tu permets. Bah, je t'en prie. Regarde, on va regarder. Alors, on va le faire sur un autre leurre, hein, parce que sinon c'est trop facile. D'accord. Voilà, la difficulté là. Donc là, je positionne ma tête plombée, je vois à peu près où ça sort. Alors, faut pas oublier que ça sort pas ici, hein, ça sort à l'endroit au début de la courbure. Donc au début de la courbure. Donc tu as noté, donc tu fais un petit accro là, au bon endroit. Comme ça. Voilà, ce qui va te permettre de repérer l'endroit où doit sortir. Ça te semble bien là ou pas, ou c'est trop... Alors moi, là, je le ferai sortir, je le passerai juste en dessous pour bien dégager l'hameçon. Donc ça veut dire qu'en fait, il va falloir piquer. Un peu plus loin. Il va pas falloir que tu ailles le piquer trop bas. Il faudra que tu le piques ici, là, de toute façon, est-ce qu'il passe juste. Oui, oui, ça d'accord, ok. Voilà. Mais au niveau de la sortie. Oui, au niveau de la sortie, ça me paraît pas mal. Ouais, je suis un petit peu large. Hein. Je peux peut-être le mettre juste derrière ma tête. Ça t'a donné un point de repère, ouais, un point visuel qui va te permettre de positionner correctement ta tête plombée. Et ça abîme pas trop le leurre, quoi. Donc là, hop, je pense que je vais le mettre un peu haut. Hop. Bah, je sais pas si tu es content du résultat. Regarde, c'est bien dans l'axe. Ton leurre est pas plié, il a l'air droit. Non, ça a l'air d'aller. Voilà, c'est bien. C'est pas, hein, c'est toi le boss. Hein. Oui, mais c'est... je pense que tu peux être content. Là, il me paraît très bien monté. En plus, d'autant plus que la rampe est très courte, donc on va pas jouer du tout sur la mobilité du leurre. Hein. Il va garder toute sa souplesse. S'il est engamé par un centre, il n'y a pas de problème. On pourra le ferrer correctement. Il va nager droit. C'est super j'ai bien monté. Bonne note. Bravo, bonne note. Bah, l'idée est 18, hein, 18, Nico. Ah, quand même. Ce que j'aimerais, c'est que tu montres un petit nœud de raccord fluoro tresse. Ça pourrait être sympa. Un petit truc simple, voilà, qu'on puisse faire sur le bateau quand ça bouge. Le plus simple possible. Bah, c'est la base d'un nœud. Hein. Quand on pêche dans un fleuve comme la Seine, il y a régulièrement des accros. On casse, donc on est obligé de refaire le nœud. Donc il faut pouvoir le faire rapidement, pas passer 2 heures dans sa journée à faire des nœuds. Il faut qu'il soit fiable et il faut pouvoir le faire dans toutes les conditions, même s'il fait un peu froid, même si on a les mains un petit peu engourdies. Alors moi j'utilise un nœud très simple. Je suis toujours pour la simplicité. À mon sens, à la pêche, plus c'est simple et plus c'est efficace. Donc l'idée, c'est de raccorder une tresse qui fait en général entre 10 et 15 centièmes. Hein. Je pense que ça correspond à la grosse moyenne des tresses utilisées. Ouais, un fluorocarbone. Okay. Ouais. On utilise, moi j'utilise des fluorocarbones qui vont de en général je pêche 24, 26 centièmes, c'est un diamètre un petit peu passe-partout pour pêcher le sandre. Après quand il faut vraiment pêcher fin, ça m'arrive de pêcher en 20, 22, j'aime pas descendre trop bas parce que c'est quand même D'accord. souvent un coup à perdre des gros poissons. Et puis quand il faut pêcher fort en période de crue, quand il y a des gros poissons, il faut grammer un peu plus, on va dire 28, 30, Tu regardes à chaque fois le diamètre ou tu regardes la résistance aussi? Je regarde le diamètre. D'accord. Voilà, okay. Après tout le monde a ses petites manies. Moi, je suis sur le diamètre, sur le centre, voilà, 22-30. Je sais que sur le brochet, pour mes bas de ligne fluorocarbone en hard mono, c'est 80. J'ai mes petits D'accord. repères par rapport au diamètre. Okay. Après, je sais que telle ou telle marque ou fil sont plus résistants. Ils sont tous un peu différents. Ils sont tous différents. Quand on a l'habitude, c'est vrai, de pêcher avec un. La plupart des bons monofilaments classiques en 24, ouais. 26, ça fait le job. Quoi, D'accord. Donc, on se coupe la petite longueur de fluoro dont on a besoin. Hein, plus les eaux sont claires, plus on allonge le bas de ligne, évidemment. D'accord, c'est-à-dire très chargé. On peut aller jusqu'à 2,50 m, 3 m, à mon sens, au-delà, c'est un peu excessif, ça sert plus à grand-chose. Moi, en période de crue, quand c'est fort et qu'on risque de casser pas mal, je mets 1,50 m, c'est déjà pas mal. Et puis, en été, quand les eaux sont claires, je mets 2 m, 2,20 m, ça suffit. D'accord. À mon sens, ça suffit largement. Alors, en fait, pas comme moi, parce que mon dentiste, il est pas très content, je trouve trop le fil avec les dents. Alors, le principe, c'est quoi? On va faire un petit nœud en 8 D'accord. sur le fluorocarbone. Donc, en fait, on va prendre ce petit brin-là, on va le passer derrière et le repasser devant. C'est un nœud tout simple, en fait, hein. Hop, voilà, ça c'est okay. mon nœud en 8. Ça marche. Ensuite, je vais prendre ma tresse, je vais la passer dans les deux boucles de mon nœud en 8. Une fois vers toi, une fois en... Voilà, d'accord, tout simplement. Okay. Tac, okay. Je serre. Et puis ensuite, je prends ma tresse. Donc là, c'est stable. Et là, je fais un nœud, ce qu'on appelle un nœud universel, tout bêtement. Hein, c'est-à-dire, je fais une boucle avec ma tresse. Ouais. Avec le petit bout de tresse qui prend ici, je vais passer dans la boucle là, en prenant le fluoro avec. Et je vais faire 5, 6, 8 tours. D'accord. Toc. Et donc, je fais mes 5, 6 tours.
Ok, il n'y aura plus qu'à serrer. Il n'y a plus qu'à serrer. Et après, tu fais toc. Pareil de l'autre côté, j'imagine. Non, c'est déjà fait, il est passé dans le numéro 8. Il va venir d'accord. En buter sur le numéro 8. Voilà, on coupe. Alors ça, c'est un nœud qui permet de couper quasiment au ras, hein, une fois qu'on a bien serré. On n'est pas obligé de serrer, on n'est pas obligé de laisser de petits bouts dépasser quasiment. Un demi-millimètre suffit. Et voilà, donc on a un nœud qui est très discret. Qui passe bien dans les anneaux, ouais, y a pas de souci. Voilà, qui est relativement résistant. Hein. C'est toujours l'endroit de faiblesse. Hein. Donc c'est rare que c'est quand on a fait un nœud, c'est rare que ça casse au milieu du fleureau, au milieu de la tresse. C'est souvent quand même l'endroit de faiblesse, évidemment. Ouais. Mais c'est un nœud qui est très résistant, qui est facile à faire et qui passe bien partout. D'accord, bon bah parfait. Et après, t'as plus qu'à. Alors bah, de l'autre côté. Voler ton leurre. J'ai plus qu'à tricher mon leurre. Il y a des gens qui mettent des agrafes pour changer rapidement. Ouais. Moi, je pense que quand on a pris l'habitude de faire des nœuds, ça va très vite de changer son nœud. On sent mieux le leurre quand même en pêchant direct. On sent mieux le leurre. C'est une question de confiance. Moi, je crois qu'on a plus de touches sans agrafe. C'est pas prouvé. Je pourrais pas le démontrer. Mais j'ai quand même dans l'idée qu'on prend quand même plus de poissons sans agrafe. Et puis bon, c'est toujours pareil. Hein. Après, quand on laisse beaucoup de leurre au fond, etc., les agrafes, c'est toujours ça en moins à acheter, toujours ça en moins au fond de l'eau. Et puis un petit nœud, encore une fois, c'est tellement rapide à faire que. À mon sens, la graffe est inutile. Très bien. Pour ces pêches-là. Ça marche. Voilà. Doucement. C'est un joli poisson, ça. Non, ça, j'ai pas l'impression. C'est très lourd. Ouais. Parfait. Voilà. Super. Il a un petit peu abîmé. Alors il a abîmé parce que lui, il a échappé belle. Ça c'est un poisson qui est sorti de la bouche d'un brochet. On voit bien les traces dedans là. On les voit là, tac, tac, tac. On voit la forme de la mâchoire. D'accord. Et la même chose de l'autre côté. Hein. On voit bien les. Alors c'est un petit peu vieux, ça a cicatrisé. Pas très proprement d'ailleurs. Décroché. Ah mince! Juste sous la surface, c'est joli. Je l'ai pas vu moi. Ouais. Jolie cendre? Ouais, c'est pas mal. C'est le poisson qu'il nous fallait, putain. Ouh. Je me suis fait toquer là. Poisson. Non. Attends. Tu l'as raté aussi? Ouais. Ah ouais, moi j'ai pris une toque juste avant toi là. Encore? C'est quoi ça? C'est peut-être une branche qui s'anime. Mmh. Pendu. Oh, décroché! Ah. Pendu. Oh merde! C'est pas possible, putain! Je crois pas quoi! Trois de suite là! Délire! Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont là? Je sais pas comment ils prennent, mais. Pardon. 90% du temps sur la scène, ce montage-là suffit. La plupart des centres que je prends, je les prends là, donc je parle de la scène. Mais je pense que c'est tout ce que j'ai entendu, c'est globalement partout pareil. Quand les poissons sont actifs, c'est un poisson qui aspire, qui engame franchement ses proies. Ouais. Et il n'y a pas besoin de rajouter un deuxième hameçon pour ferrer correctement les poissons. On rate rien avec un petit hameçon sens. Même un hameçon comme ça, un petit hameçon sur un shad assez long, il n'y a pas de problème. C'est pas un poisson qui va venir ici. Il aspire complètement le leurre. Souvent, il le plie en plus dans la bouche. D'accord ? Il est complètement rentré. Donc, un hameçon simple suffit. D'accord. Voilà, ça, c'est 90% du temps. C'est quand même la solution idéale parce qu'on les décroche très facilement. On blesse très peu les poissons. On les remet à l'eau dans d'excellentes conditions. Mais il y a quand même des fois, là on l'a vu, la pêche était quand même assez dure ces derniers jours. Les poissons étaient tatillons, voilà. On avait pas mal de petites touches, hein, comme on dit dans le. Short bite, hein, c'est vraiment des touches qui sont très courtes. Les poissons viennent taper très vite derrière, mordiller la queue, donner des petits coups dessous, écraser le leurre, mais ils n'engament pas franchement. Peut-être presque par énervement plutôt Par énervement, parce qu'ils sont. Alors c'est toujours pareil, c'est difficile d'avoir une vraie réponse là-dessus. Hein. Globalement, je pense que oui, ils sont énervés, ils sont pas franchement actifs, ils sont méfiants. Et du coup, forcément, la séquence d'attaque, elle a démarré, hein, parce qu'ils ont capté le leurre, ils viennent le voir, ils lui mettent un petit coup dedans, mais ils n'engament pas franchement, ils n'ont pas vraiment envie de manger. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'effectivement, on peut rajouter un petit hameçon triple derrière. Ou au-dessous, bon, il y a plein de montages possibles, qui va permettre de limiter les ratés. Alors, il y a plein de solutions. On peut faire ça chez soi, etc. Moi, en règle générale, je ne monte pas mes leurres souples à l'avance.
Bon, après, tout le monde a ses pareils, encore une fois, tout le monde a ses manies. J'arrive, je monte ma tête plombée sur mon leurre, je pêche, et puis si je rate un ou deux poissons, je m'aperçois qu'il faut rajouter un stinger. Ouais. Dans ce cas-là, j'en mets un. Ce que je fais, moi, c'est que je les prépare à l'avance. Alors, en hiver, là, dans deux mois, là, quand la pêche sera fermée, on va pouvoir, on aura du temps. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends une petite trousse, là, hein, ça, c'est un petit truc à carpe, là, pour faire les montages carpe, dans lequel j'ai préparé mes stingers à l'avance. Alors, un stinger, c'est quoi? C'est un petit bout de fluoro, 30 centièmes. D'accord. D'accord, tout bêtement, au bout duquel on a fait une petite boucle, et sur laquelle on a mis un hameçon triple. D'accord. Et ce stinger, là, on va venir le mettre sur le leurre. D'accord, pour avoir un hameçon en queue. Alors il y a plusieurs possibilités, parce que tous les leurres, évidemment, on ne pêche pas toujours avec le même leurre, on n'a pas toujours la même tête plombée, donc il faut avoir des stingers qui soient plus ou moins longs. Donc moi j'en fais qui font, bah, vous voyez, j'en ai des très longs là, qui font presque 20 cm, j'en ai qui font 10 cm, 8, 6, 5, 2, etc. Et puis bah, en fonction de mes besoins, je vais rajouter le stinger sur le bon stinger qui a fait la bonne taille sur le leurre. Donc ça va très vite, je prends mon leurre, je viens de rater une touche, donc j'ai besoin, hop, de rajouter, je vais prendre un gros hameçon hein, pour qu'on le voit bien, j'ai besoin de rajouter un hameçon. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon truc, je le mets dans l'hameçon là, et je viens l'accrocher en queue. Et ça veut dire que si le cendre tape ici, exactement. Alors non, justement, ça c'est le début du montage. Hein. On va rajouter après, il y a un petit truc génial qui s'appelle le pépère, que tous les pêcheurs au cou connaissent bien. D'accord? J'utilise, c'est une petite rondelle en caoutchouc. Ça vaut 1,50€ sur votre détaillant, ça rend d'immenses services, ça évite de perdre le poisson de sa vie. Voilà. Ça, c'est, ouais, c'est cette petite rondelle en caoutchouc là, qu'on voit qui est toute bête. Et je viens tout simplement la fixer sur cet hameçon. D'accord, ok. D'accord. Voilà, pour sécuriser le montage. Alors, évidemment, l'hameçon est complètement surdimensionné. C'est pour bien qu'on le voit à la caméra. Ça, avec l'ardillon, effectivement, ça peut pas. Là, ça repart pas dans l'autre sens. D'accord, ok. Ok. Ouais. Alors, ça, c'est le premier montage. Après, l'autre, sur le marché, il existe des stingers tout faits. Ouais. D'accord, moi j'aime bien ceux-là parce qu'en fait, il y a un tout petit clip ici. J'en ai là, j'utilise les deux. Alors c'est vrai que c'est un coup, moi je n'hésite pas à l'utiliser parce que j'en utilise pas énormément dans l'année. Et donc mon petit stinger là, en fait lui, je vais venir le prendre dans ici là, et ça vient se clipser. D'accord. Toc. Okay. Et je viens accrocher mon petit leurre souple, mon petit trip derrière. D'accord, donc cette fois, on clipse ici alors, sur la tête plombée. Sur la tête plombée, sachant que ce montage là, on peut aussi venir le clipser sur la tête plombée. Ouais. On peut aussi, si le montage est trop long, on peut aussi venir le mettre là. Je vais vous le faire avec un autre. Et après on fait le nœud. Et après on fait le nœud par-dessus, du coup ça l'empêchera de sortir du montage. Hein. Ça marche d'autant mieux si vous mettez une petite agrafe, votre stinger, vous le mettez directement dans l'agrafe. Ouais, et vous venez le piquer sur le leurre. Voilà. Donc ça prend 2 secondes à mettre, 2 secondes à enlever. Ça vous permet de modifier votre montage instantanément et d'être particulièrement efficace si les poissons ne sont pas mordeurs. D'accord, ok, bon, parfait. Pendu, poisson. Super. Bien joué. Petit, hein. Petit. Ouais, petit. Petit cendre aussi. Ouais, petit cendre. Il est monté à bord directement. T'as vu par où il est pris? Ouais, par le stinger. C'est intéressant. Tu veux que je le décroche directement? Non, mais là tu pourras pas, parce qu'avec le trip. Ouais, c'est vrai. On va faire un petit truc. C'est bien de penser à le faire, c'est de se mouiller les mains avant d'attraper les poissons. Complètement. Ça évite de leur enlever trop de mucus. Il est bien pris. Ah bah ouais, mais il est pris complètement par l'extérieur. Hein. Ouais. Petit centre deviendra grand. Voilà. Mmh. Bah oui, bien sûr. S'il peut, tu peux le relâcher, il devient grand et je le reprends, ce serait bien. Écoute, on se revoit dans. On essaie de ne pas se revoir dans 15 ans, mais. Non, c'est clair. Non, bon, c'est marrant parce que là on voit vraiment comment t'as pu lire l'eau aussi. Quoi. C'est-à-dire que on a fait 2 dérives et tu me dis non, maintenant il faut prendre le finesse et Singer. Et bing, ça a marché. Et ça c'est quand même cool parce que moi j'aurais insisté avec le leurre avec le shad. Hein. J'ai jamais très confiance dans les finesses, tu vois, et là je me rends compte que c'est pour la verticale. Toujours cette impression d'avoir besoin d'un leurre qui vibre beaucoup pour que les poissons le perçoivent. Ouais, moi j'ai cette impression là encore. Ouais. Arnaud, juste, on a utilisé 2 types de leurres. Ceux avec une queue qui, voilà, avec un paddle qui est assez important et qui permet de brasser beaucoup d'eau. Et ceux avec une queue un peu plus plate, comme ça, ce qu'on appelle les leurres finesses. Tout à fait. Qui nous permettent d'être beaucoup plus discrets. Voilà, on a pêché avec un immense classique des leurres souples, hein, le shad, que tout le monde connaît. Hein, c'est un corps avec un paddle, en fait, avec une queue qui est perpendiculaire au corps, qui va brasser beaucoup d'eau, donc il va émettre des vibrations assez importantes. Et puis il y a les périodes de l'année où les moments où les poissons s'intéressent particulièrement à des vibrations beaucoup plus fines. Donc dans ces cas-là, bah, c'est les autres types de leurres qu'on a utilisés, hein, gros ou petits. On utilise des leurres en fait qui sont
qui ont une queue bifide en fait, hein, qui part en V. Donc évidemment, nage ne brasse pas d'eau, donc ouais, émettent des vibrations ouais, qui ouais. sont beaucoup plus fines, mais qui du coup vont intéresser les poissons un peu plus éduqués, plus méfiants, ou qui n'ont pas envie de grosses vibrations ce jour-là. On sait que les poissons peuvent être assez lunatiques. Moi j'aime bien les jokers vertes là. Ils ont l'avantage d'avoir un petit voile en fait dans cette queue bifide. Ouais. D'accord. Et ce petit voile va appuyer sur l'eau, donc ça va lui donner une nage très naturelle, ample, qui va pousser de l'eau de façon assez importante. Alors je ne sais pas trop comment les poissons le ressentent, mais on a des bons résultats avec. D'autant que ça a l'air un petit peu versatile, parce que je vais en sacrifier un pour vous. Avec un simple petit coup de ciseau, pour faire ça proprement, tac, on peut enlever ce petit voile derrière. Et puis on se retrouve vraiment avec un finesse classique. Il y a ces deux petites boules là qui rajoutent des toutes petites vibrations très fines. Il ne faut pas oublier qu'un poisson dans l'eau, quand on regarde un gardon dans un aquarium, un gardon ça nage pas comme ça. Non, il reste immobile. Il bouge pas. En fait, un gardon, qu'est-ce qui se passe? Il met un coup de queue et il glisse dans l'eau. Ouais. Et la nage d'un poisson, c'est vraiment ça quoi. C'est un coup de queue et hop, il glisse. Et donc tu fais bien le poisson. Je fais bien le poisson. Le gardon dans un bocal. Ouais, je le montre assez souvent. Hein. Le gardon dans le bocal, c'est ma spécialité. Et du coup, en fait, les vibrations, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cendre qui est au milieu de la Seine, là, dans 7 mètres d'eau, s'il a un gardon qui passe 1 mètre à côté de lui, qui veut le prendre, il va le capter, il va le détecter, il va l'attaquer, il ne va pas le rater. Quoi. Donc il est capable de sentir cette vibration. Donc la pulse émise est vraiment vraiment faible et les poissons sont tout à fait capables de sentir ça. Donc du coup, même des vibrations très fines émises par un leurre suffisent. Pas besoin qu'un leurre ait des billes et qu'il déplace énormément d'eau pour être capté par les poissons. Du coup, ces petites billes là, très fines, elles rajoutent des petites vibrations très très fines. Elles permettent à la queue de nager et donc c'est tout cette combinaison de petites vibrations, de petits mouvements qui fait que ça va déclencher la touche. On va le montrer bien à la caméra. On a pêché avec des coloris finalement assez naturels, hein. Des coloris comme ça ou comme ça, des coloris Arkansas Shiner ou des coloris assez proches de l'eau finalement. Pourtant, en règle générale, ces coloris marchent bien là quand les eaux sont teintées. Donc là, par contre, j'anime un petit peu plus du coup. Ouais, alors là, du coup, tu vois, il faut que ton leurre, regarde-le dans l'eau là, ouais. Avant de lancer. Là. Tu donnes un tout petit coup de sillon, tout petit. Non, ça c'est trop. Tu vois, ton leurre est dans l'eau. Ça suffit. Ah oui. À la limite, justement, un excès de vibration, ça peut provoquer des refus. D'accord. Grosse bouchée, beau cendre. Grosse bouchée, moyen poisson. Ah, il est beau. Il s'est dégrogé tout seul. Voilà. Il y a un cendre de plus. Bravo, bravo. Donc on n'a pas réussi à faire le gros poisson que j'espérais. Donc j'ai mis un leurre d'une taille plus conséquente, hein, c'est 25 cm. D'accord. Et souvent les gens me disent... Oui, d'habitude on pêche avec... Moi je pêche avec... Leurre, c'est incroyable, tu pêches le cendre avec des leurres comme ça. Il n'y a aucun problème, avec un leurre de 25 cm on prend des poissons qui font 60. Voilà, il n'y a pas de problème. Et un gros leurre comme celui-là, tu l'animes un petit peu plus ou je l'anime pas du tout. Plus, hein. En fait, il a forcément plus d'amplitude parce qu'il bouge plus d'eau, ouais. Mais c'est exactement le même type d'animation que ce qu'on faisait tout d'accord. à l'heure. Petite animation sur lui-même. Hein. Quel que soit l'heure, on ne l'anime pas beaucoup. Sur ce type de vertical, c'est rare. Des fois, il faut décoller un peu plus dans la couche d'eau. Il faut rester. J'ai l'impression que les mouvements étaient un peu plus amples avec celui-là, mais peut-être. Enfin, je sais pas, c'était plus gros, j'ai une plus lourd, j'ai une grosse tête plombée, donc c'est un petit peu plus lourd à travailler. Mais non, normalement, je suis censé pas animer plus. Ok, ça marche. Donc Nico, on va changer complètement de pêche, complètement d'approche. Là on va pêcher en linéaire. Donc d'accord. Le principe c'est, tu le connais, hein, oui. On lance, on prend le contact avec le fond, ouais. Et on anime son leurre sur le fond. D'accord. Tout le truc avec cette pêche, c'est trouver la bonne vitesse de récupération, de rester au contact du leurre, donc pas laisser de mou dans la ligne. D'accord. Et puis de trouver l'animation, la vitesse surtout, qui va plaire au carnassier. D'accord. Donc là on voit bien, on va pêcher cette longueur parce que là on a un mur, on a des structures. C'est des endroits où aiment bien s'abriter, aiment bien tourner les perches, les cendres. Donc c'est souvent une bonne zone. Le courant n'est pas trop fort, donc on va pouvoir pêcher, je pense, en descendant avec le courant. On va mettre le bateau parallèle à la berge et on va lancer tous les deux
vers la dans berge. Ces structures, dans la berge, d'accord. En animant sur le fond. D'accord. D'accord. Donc tout le truc, hein, encore une fois, c'est de garder bien le fil tendu, bien le contrôle de la ligne pour bien sentir ce qui se passe. D'accord. Et bien garder le contact avec le fond aussi. D'accord. Pour voir où t'en es. Ok. Alors, les perches, elles se tiennent le plus proche possible de la berge ou du, là où il y a une structure, quoi. Alors les perches, elles se tiennent. Alors ça dépend. En règle générale, elles aiment bien tourner autour de ces structures. Ouais. D'accord, c'est comme ça. Hein. C'est tout ce qui casse la monolithie dans l'eau, tout ce qui peut faire un abri du courant. Bien sûr, bien sûr. C'est aussi un endroit souvent où il y a des algues, donc ça fait un peu office de DCP. Ça concentre des petits poissons, donc quand il y a des petits poissons, il y a des carnassiers. C'est okay. La règle absolue. Quand on trouve la bouffe, hein, quand on a trouvé le garde-manger, d'accord. On va trouver ceux qui sont derrière. Alors on va démarrer avec deux coloris différents. On va rester un petit peu sur le coloris blanc, un coloris blanc qui marche toujours très bien, ouais, ça c'est bien sur ouais. La scène. Un coloris petit blanc un petit peu transparent, pailleté en dessous. Puis un autre coloris plus naturel. On reste sur l'esprit vertical. On a trouvé qu'on a quand même plus de touches avec des coloris naturels. Donc on ne va pas chercher midi à 14h. On reste sur ce principe-là. On va gagner du temps sur le grammage. J'ai pêché hier. Globalement, les têtes plombées entre 7 et 10 grammes. Ça j'ai bien mieux que les pêches plus lourdes. Donc, évidemment, plus tu pêches lourd, et plus c'est facile de trouver le contact avec le fond et garder le fil tendu. D'accord. Et après, trop lourd aussi, ça, ton leurre descend très vite, et c'est pas forcément. C'est moins naturel. C'est moins naturel. Alors, il y a des jours, hein, c'est bien de pêcher très lourd. Hein, les poissons, ils aiment bien ça. Ouais. Faut que ça tape le fond assez vite. D'accord. Voilà. Là, par expérience, on va gagner du temps. Je vais te mettre une tête de 10 grammes pour commencer. Puis si ça se passe bien, qu'on a pas assez de touches, on descendra, on mettra 7. D'accord, ok. Tu veux démarrer avec le blanc ou avec lequel tu veux ? Le blanc, ça me plaît très bien. Le blanc te plaît ? Ouais, alors, ouais, allez, ça me plaît beaucoup, ouais. Merci beaucoup. Tu vois, si tu n'arrives pas à sentir le fond avec ta canne, tu regardes ta bannière. Au moment où la tête plombée touche le fond, hop, ta bannière se détend. Ça fait un creux. Ça fait un creux. Donc là, tu sais que tu es au fond. Donc ça peut être autant tactile que visuel. Donc faut pas essayer de trop animer au moulinet, en fait. Hein. Tu moulines pour récupérer, donc tu animes, et tu moulines pour récupérer l'excédent de bannière, pour rester au contrôle de ta ligne. Il y a des saisons pour la verticale, le linéaire et le drop shot, ça diffère ou pas ? On peut tout prendre, ouais, bien sûr. On peut tout prendre avec toutes les techniques à toutes les saisons. Maintenant, s'il y a quand même une règle à donner, en règle générale, plus les eaux sont chaudes et plus je pêche en linéaire. Après, ça, c'est ma façon de voir les choses. Hein. D'accord. Mais en été, au mois de juin, au mois de juillet, j'ai quand même tendance à pêcher pas mal en linéaire. Et puis, plus les eaux se refroidissent en hiver et plus je pêche en verticale. En anneau à 10 degrés, hein, ça commence à être. C'est pas encore glacial, mais c'est pas non plus. C'est plus non plus des eaux très chaudes. Ça demande pas mal d'énergie aux poissons pour se déplacer. Donc le linéaire qui demande quand même un peu d'activité de la part des poissons, parce qu'il faut qu'ils courent après le leurre. Hein. C'est des leurres qui sont beaucoup plus rapides dans l'eau que la verticale. Après, ça peut être aussi. La verticale et le linéaire, ça peut être deux techniques qui sont assez complémentaires. La verticale, le linéaire, ça permet de couvrir du terrain quand même assez rapidement. Donc ça permet de localiser assez rapidement les poissons, souvent. Et puis après derrière de passer dessus en vertical, ça permet de prendre des poissons plus gros ou des poissons que tu n'as pas pris en linéaire. Ça permet aussi de localiser les bandes blancs parfois. Tu peux sentir les brèmes dans la ligne. Là, souvent, si tu trouves les brèmes ou les bandes brèmes ou des bandes poissons fourrage, sur les centres, c'est souvent bingo. Hein. D'accord. Poisson. C'est magique quand même hein, quand t'es au bon endroit, c'est vrai. Non. Pas de poisson. Pas de poisson. Coupe. Oh, quoique ça peut ressembler hein. Ça ressemble non? Ouais, une anguille. Ouais, c'est les phasmes. Une anguille. C'est... Ouais. Non, ouais si. Ça l'est. Non, raté. Décroché? Ouais. Cassé, coupé? Cassé. Broc. Bon chef? Bah je pense, ouais. Ouais, clair. Et toi tu l'animes presque pas, vraiment tu fais des. Ça dépend. Des sauts de puce quoi. Vers les sauts de puce, j'ai tendance, en général, quand je pêche avec d'autres guides, enfin d'autres pêcheurs, ils me disent que j'ai tendance à animer assez vite. Moi, j'aime bien les touches réaction et je mouline en fait, je fais un ou deux tours de manivelle en même temps que j'anime. Ça fait que mon leurre vraiment fuit dans l'eau un petit peu, enfin c'est vraiment le mouvement de fuite. Après, ce qu'il faut voir, c'est que quand tu animes avec une canne, les mouvements sont vachement amplifiés. Poisson. Ce coup-ci, ça c'est un poisson par contre. C'est pas oui, c'est un poisson. Non, c'est un poisson, je le sens. Il bouge plus que l'algue tout à l'heure. Il est beau. Hein. Bah, le phasme est toujours. Très belle perche. Très belle perche. Super Nico. Il y a des très belles perches ici. Superbe. Magnifique. Super. On a utilisé les Joker Shad. C'est un petit leurre là qu'on a dessiné avec Laurent Brignon et Benoît Degros. On est assez content parce qu'il marche très bien, le coloris est bon, on a fait le bon choix du coloris. Je t'ai vu, le blanc. Le blanc, mais voilà. Merci de m'avoir laissé ce soir. Bah, je t'en prie.
Bon, là, t'es passé au drop shot, c'est ça? Je suis passé au drop shot, exactement. Pourquoi? Pour pouvoir pêcher très lentement sur la zone. En plus, c'est un secteur qui est assez pêché, là. Je trouve il est assez connu, il y a beaucoup de gens qui passent dedans classiquement en linéaire. Donc, amener une présentation un petit peu différente de leur souple, c'est souvent payant. Puis ça me permet de vraiment insister, de laisser mon leurre dans une zone assez longtemps. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette technique. T'as mis quoi comme grammage du coup au bout? Alors j'ai fait un premier passage, j'avais mis 10 grammes. Il y a beaucoup de courant là, c'est pas assez. Donc là j'ai changé mon grammage après la première dérive et je suis passé en 18. D'accord, 18 grammes. Okay. Et même comme ça, ça descend. D'accord. Et au bout, qu'est-ce que t'as mis comme leurre du coup? Une petite écrevisse, c'est ça? Du coup, pareil, dans le même esprit de changer un petit peu ce que les poissons ont l'habitude de voir, j'ai mis une écrevisse. D'accord. Une petite écrevisse. Et donc drop shot, comment ça s'anime du coup? Tu lances un petit peu loin du bateau? Alors tu lances un petit peu. L'avantage du drop shot, c'est qu'on peut faire pas mal de choses avec. La première, c'est qu'on peut animer entre le sion de la canne et le plomb. Donc en fait, on pose le plomb au fond. Et puis en animant juste avec le sion de la canne, on peut faire bouger le leurre sur place. Puis après, on peut aussi décoller le plomb du fond pour augmenter l'amplitude et puis déplacer le leurre sur le fond. Ah, donc là, une action minimaliste aussi qui ça plaît. Peut être quoi, les deux. Ça peut être une action minimaliste. Hein. C'est une fois que mon plomb est posé au fond, j'anime juste mon leurre en fait sur place. D'accord. Je peux aussi déplacer mon plomb. Et dans ce cas-là, mon leurre va monter et redescendre très vite avec le plomb. Donc, c'est des animations qui sont très variées. Simplement, j'aimerais que tu montres aussi le montage. On l'a un petit peu fait, on l'a un petit peu pêché. Bon, les conditions ne le permettaient pas de pêcher longtemps en drop shot. J'aimerais que tu nous montres comment voilà, on fait un montage drop shot. Ça a l'air tout simple comme ça, mais ça a ses petites particularités. Alors, ça a ses petites particularités, non, tu l'as dit, c'est tout simple. Non, en fait, une fois qu'on le sait... Ça fait peur toujours. Non, mais faut absolument pas, parce qu'une fois qu'on a fait son bas de ligne, une fois qu'on a fait le nœud raccord, un drop shot, c'est quoi? C'est un simple hameçon simple qu'on va venir fixer sur le bas de ligne. C'est pas plus bête que ça. Donc, on prend mon hameçon, et alors qu'est-ce qui se passe? On fait un simple nœud palomar. Le nœud palomar, tout le monde le connaît, hein. C'est ce fameux nœud en boucle qu'on passe dans l'œillet, et puis on fait un nœud dessus tout bête. Alors, on va le faire en direct. Donc je le passe en deux, d'accord, je le plie en deux, je le passe dedans. Toc. Donc là, on va bien, hein, je passe en deux, il n'y a rien de plus bête. Et là, je fais un nœud, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, le premier nœud que vous avez appris à faire quand vous étiez en maternelle. Ouais. Okay. Et la boucle, là, je viens la repasser dans l'hameçon. Ok. Et mon nœud palomar, il est fait. Tac. Alors il y a une petite subtilité, là, juste. Tu vois, je t'avais dit qu'il y a des subtilités. Ben non, là ça tombe bien, j'ai de la chance. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au drop shot, il faut toujours que l'hameçon, le nez de l'hameçon soit vers le haut. Ouais. Mais par hasard, des fois ça arrive, l'hameçon se retrouve le nez en bas, c'est-à-dire comme ça. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On panique pas, on ne fait surtout pas son nœud et son bas de ligne. Hein. On s'amuse surtout pas à tout refaire. On prend juste son bas de ligne, là, d'accord, le petit bas. On vient le repasser dans la boucle de l'œillet. Une fois, okay. Toc, ça me remet à l'endroit. Ah ouais, d'accord, ok, ça marche. Moi, je refaisais tout à chaque fois. Non. En fait, il suffit de le repasser dans l'œillet. Il suffit de le repasser dans l'œillet et ça le remet dans l'endroit. D'accord, ok, je comprends. Parfait. Okay. Donc, comme mon montage est fait, ok, d'accord, on peut venir mettre, on vient mettre un leurre. Tiens, le petit blanc. Alors, un petit blanc, le petit blanc. Alors, généralement, comme tu veux. Hein. Généralement, mais bon, généralement, sur ce type de leurre, on met plutôt un petit finesse, un petit leurre qui brasse pas beaucoup d'eau, qui va bien nager sur lui-même. Un leurre très discret, hein, c'est le principe du drop shot. Hein, c'est une présentation très discrète, très minimaliste sur les poissons qui sont particulièrement méfiants ou peu actifs. Donc plutôt que de mettre un shad là qui fait 3 ou 4 pouces, on va plutôt mettre un petit finesse comme ça. D'accord. Un petit leurre, est-ce que j'en ai un autre genre? Voilà, on peut utiliser ce genre de choses, ça marche très bien en finesse parce que en fait, c'est un leurre qui va être animé sur place tout doucement. Voilà, pêcher avec ce genre de choses, ça va bien nager dans l'eau, là, juste sur place, c'est pour déclencher une perche ou un petit sang, c'est quand même pas mal. Donc j'enfile mon hameçon, là il n'y a pas de subtilité plus que ça, je le cache bien dedans, je fais bien ressortir la hampe. D'accord. Et alors le truc du drop shot en fait, c'est qu'on inverse, hein. Le poids va être sous le leurre. Donc on prend un petit plomb à drop shot comme ça. Qu'on vient accrocher au bout. Donc il y en a en fait qui sont, il faut faire un nœud, il y a une espèce de pince en fait dans laquelle on vient pincer le fil. Bon, on fait un petit nœud tout simple. Hein. Ça prend 2 secondes. Ok. Et là en plus on limite les risques d'accrochage. Quoi. Alors c'est on limite pas mal les risques d'accrochage. C'est pas trop mal. Qu'est-ce qui va se passer? Le principe du drop shot en fait, hein, c'est qu'on va poser le plomb au fond et on va animer son leurre entre le plomb
D'accord. Et le fond. Entre le fond et le sillon. Il faut avoir une canne bien sensible pour bien sentir. Il faut des cannes en général, les drop shots sont des cannes qui ont un sillon qui est très sensible, qui va permettre de bien sentir en fait cette action, cette animation vraiment minimaliste. D'accord. Okay. Alors il y a deux petits trucs. Hein. Donc ce qui est important dans le drop shot en fait, ce qui compte beaucoup, c'est la longueur que vous avez entre votre plomb et l'hameçon. D'accord. Ouais. Hein, elle peut être plus ou moins longue, entre 20 et 50 cm. D'accord, il n'y a pas de règle, c'est suivant le. Alors, si, il y a des règles. Il y a des règles, évidemment. Plus les eaux sont claires, plus vous allez pêcher lentement et plus vous allez augmenter cette distance. D'accord. Plus vous allez pêcher près du fond, plus vous allez raccourcir, etc. Ouais, ça dépend un petit peu de vous. Ce que vous pouvez faire, tu m'as dit, on limite les accrochages, c'est vrai. Encore une fois, c'est encore du plomb. Moi, j'ai un petit truc tout bête. Si vous pêchez dans les endroits qui sont très encombrés et que vous les laissez, tout le monde a ça chez lui. Au lieu de mettre un plomb comme ça, Vous avez tous des boulons, des petits bouts de métal comme ça, le boulon de base, ouais. Ok, et vous remplacez votre plomb par un petit bout de boulon. D'accord. Je vais pas vous dire que c'est mieux, par contre clairement c'est moins polluant. D'accord. Ça permet de pêcher très facilement dans les endroits qui sont très encombrés. Ok. D'accord. Et si vous le laissez au fond, bah vous n'allez pas pleurer et la rivière non plus. Quoi. Exactement, c'est parfait. Donc, à l'heure du bio. Prenons des boulons plutôt que des plombs. Prenons du boulon, hein, comme ça on pourra manger les poissons et continuer de pêcher. Alors, c'est en fer. Hein, donc voilà, en pause, donc je suis d'accord, c'est pas super orthodoxe, mais je vois des fois en drop sur des zones qui sont particulièrement encombrées. Celle où on a pêché, c'est une espèce de grande fosse qui est très propre. On peut gratter le fond, il n'y a pas d'accro. Ouais. Donc je le sais, je connais bien mon secteur, je sais qu'à cet endroit je peux pêcher avec du plomb, je ne vais pas perdre énormément. Mais si je veux pêcher une bordure dans des bois morts, et que je sais que tous les 3-4 passages je vais accrocher, c'est quand même dommage de laisser 100, 150, enfin de laisser 10, 12, 15 plombs au fond, ça coûte bien cher, sûr, bien sûr. Et c'est pas bon pour la rivière. Donc ça, c'est nickel, vous mettez un tout petit coup de dent sur votre bas de ligne, d'accord. Ce qui fait que si votre truc il s'accroche, c'est toujours ici que ça va casser. Ça crée un point de faiblesse. J'ai créé un point de faiblesse, l'écrou qui va rester au fond. Qui va rester au fond. Et après, tu n'auras plus qu'à raccrocher, hein, là, etc. Voilà. Alors, vous verrez, si vous utilisez un petit peu cette technique, c'est rigolo parce que tu perds des jours. Mais non, on perd pas de l'heure, mais surtout on prend autant de poissons sur le boulon que sur le. T'as raison, c'est pas bête. Alors, dernier truc sur le drop que j'aime bien faire de temps en temps, quand j'utilise vraiment des tout petits finesses qui dépouchent très peu d'eau, j'utilise un petit leurre magique hein, que tout le monde connaît, qui s'appelle le jigging wrap. À la base, c'est un leurre, on a pêché un petit peu avec, hein, je crois. Ouais. C'est un leurre réaction en fait, c'est un leurre qui a été à la base créé pour pêcher sous la glace, en fait, dans les petits trous là, à la plomb. Ouais. Donc c'est un leurre qui a une action très erratique. Très aléatoire, qui déclenche des touches réactions chez les poissons, qu'on anime en vertical, un petit peu comme le plomb palette. Et donc, je remplace mon plomb au fond, d'accord, par ce jigging wrap. D'accord. Ce qui fait que je vais pouvoir faire deux animations en même temps. Je peux poser mon jigging wrap au fond, encore une fois dans une zone qui est un petit peu propre. Hein. Je vais poser mon jigging wrap au fond et je vais animer entre le sillon et le jigging wrap qui fait office de plomb. Mais je peux aussi le décoller brièvement, je peux aussi le décoller rapidement. À distance, de façon à... Et donc, du coup, je multiplie les coloris, les signaux, je donne une action très agressive à ce leurre-là, et certains jours, ça peut être un vrai petit plus. Voilà, il faut juste faire attention aux hameçons, oui. Parce que là, c'est un leurre qui est déjà... On considère qu'il y a un double hameçon simple, un seul hameçon et un deuxième hameçon, d'accord. Mais avec celui-ci, vous en avez un de trop. Ouais, donc, faut pas hésiter à en couper un à l'arrière ou enlever le petit triple en dessous. Non, plutôt enlever le triple en dessous, alors, du coup. Vous enlevez le triple en dessous, vous coupez ces triples... Bah, souvent, on décroche pas mal avec ces deux-là. D'accord. Moi, j'ai plutôt tendance à couper les hameçons simples et à laisser le triple en dessous. D'accord, les deux hameçons simples. D'accord, ok. Nico, ça va ? Ça va, je suis content de te retrouver là pour cette deuxième journée de pêche. Hein, ouais, moi aussi, t'es chaud ? Froid, mais bien couvert, donc ça devrait le faire. Les conditions se sont bien refroidies là par rapport à la dernière fois. On a 10 jours d'écart, on a perdu pas loin de 10 degrés dans l'air et presque 5 dans l'eau. Ah oui. La dernière fois, on a touché quelques poissons, c'était pas super satisfaisant pour moi en tout cas. Ça manquait clairement de cendre. Donc la mission aujourd'hui, c'est cendre. Si possible, on est vraiment dans les conditions hivernales, là, bien qu'on soit encore qu'en automne. L'idée, c'est d'essayer de prendre un ou deux jolis poissons. Ouais. On va se concentrer sur la pêche verticale, on va pêcher avec des leurres beaucoup plus gros aujourd'hui. Des grosses bouchées, là. Ouais, des grosses bouchées pour essayer de décider un gros poisson. Mmh. On a une température d'eau qui avoisine les 7 degrés. C'est pas des mauvaises conditions, hein. À 7 degrés, les poissons sont encore relativement actifs. Ça se calme un peu en dessous, mais 7 degrés, c'est bien. Ok. Donc on va multiplier un petit peu les postes. Bon, ça c'est un poste qui est très connu ici. C'est une entrée de darse.
Mais plus de courant hier, là, la Seine, elle fait du yo-yo en ce moment. On va le pêcher rapidement pour voir s'il n'y a pas un joli poisson qui traîne ici. Puis ensuite, on descendra, on fera plusieurs secteurs là où, en insistant bien avec des grouleurs, j'espère qu'à un moment ou un autre, on va... Mais plus il fait froid, plus on s'oriente vers la verticale. Alors, ou... c'est pas une règle absolue, il n'y a jamais de règle absolue à la pêche, mais c'est quand même une grande tendance. D'accord. En général, plus eaux sont froides et plus les poissons ont tendance à se déplacer pour une grosse bouchée. L'opportunité alimentaire, c'est toujours quelque chose d'important. Donc oui, les poissons se déplacent plus facilement pour une grosse bouchée dans les eaux très froides que pour une petite. Très bien. Let's go. Ouais. Quelles sont les erreurs que font principalement les gens que t'emmènes pêcher, tes clients? J'imagine que c'est toujours les mêmes qui reviennent, non? Sur la pêche du brochet, typiquement, c'est le ferrage. C'est le gros point faible. Beaucoup de gens qui ratent. Énormément de poissons à cause du ferrage. Pas assez fort. Pas assez d'amplitude, pas assez de vitesse. D'accord. Souvent, les gens ont tendance à juste prendre contact ou à tendre le fil, et ça suffit pas. Le brochet, c'est un poisson qui a beaucoup de force dans la gueule, qui n'aspire pas ses proies. Et donc, il faut être capable de déplacer le leurre dans la bouche du poisson pour le ferrer. Mmh. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui... C'est l'aboutissement de l'action de pêche, finalement, le ferrage. Hein. Ça veut dire qu'on a tout bien fait, on a tout mis en œuvre correctement. On a choisi le bon leurre, le bon spot, on a réussi à déclencher la touche, et puis finalement on rate la dernière marche, qui est le ferrage. Et il y a beaucoup de beaux poissons, et de poissons tout court d'ailleurs, qui sont ratés à cause du ferrage. Alors sur la pêche verticale, par exemple, j'ai beaucoup de gens qui n'arrivent pas à rester statiques. Ils n'arrivent pas à imaginer qu'un leurre, s'il bouge très peu dans l'eau, il puisse être attractif. D'accord. Donc je leur dis, anime très peu, il faut juste que ton leurre bouge sur lui-même dans la couche d'eau. Rien que finalement, le bateau qui bouge, ça suffit des fois même à faire bouger le leurre, finalement, non? J'imagine. Et c'est, en fait, on ne se rend pas compte parce qu'il y a des contre-courants. Donc en fait, même si notre leurre, même si la canne est statique en haut, le leurre au fond de l'eau, il bouge, il a un petit mouvement. Il n'y a pas besoin qu'un leurre ait des billes et produise énormément de vibrations pour être pris. Donc il faut arriver à passer ce cap et à accepter les animations minimalistes sur la verticale. Quoi. D'accord, très bien. Et j'ai l'impression que je me prends plus souvent aussi en bas que toi, quoi. Enfin, dans les branches, dans les cailloux, dans les pierres, etc. Mais ça, c'est parce que tu as plus l'habitude du sondeur. Je pense que c'est pas tellement une question de technique, c'est plutôt une question d'observation. Moi, je regarde beaucoup le sondeur et j'anticipe en fait tous les accros. Dès que j'ai quelque chose sur le fond qui peut me faire penser à une branche, j'ai tendance à lever un petit peu mon leurre pour passer au-dessus. Toi, souvent, je te regarde. Des fois, tu regardes le sondeur, mais des fois, tu es fixé sur ton sillon. Tu regardes le paysage. C'est beau, et la prochaine pluie qui va arriver. Ouais. Et puis, toi, la racine, tu la vois pas, tu la sens. C'est trop tard. Bon, en plus, bref, les poissons, moins attentif. Clairement, les poissons, ils ont le chic pour toujours attaquer au moment où on ne regarde pas. Hein. Ouais. Tu peux te concentrer pendant 5 heures. Il y a un moment où tu regardes dans l'air, boum, tu prends la touche à ce moment-là. C'est vrai. C'est quelque chose qu'ils font très bien. Oh, très bien. Alors, c'est peut-être une leçon à tirer aussi, hein, notamment sur certaines pêches. C'est que souvent, le moment où on a la touche, le moment où le pêcheur n'est pas attentif, c'est le moment où il anime très peu ou le moment où il fait une longue pause, par exemple, au brochet. Mmh, d'accord. Quand on peut, les gars qui pêchent au jerk, là, qui pêchent très vite. Tout le temps, là, et bam, bam, quand vous en animez. Des fois, à un moment, il s'arrête pour discuter avec le copain. Donc là, le jerk, il s'arrête, il fait une vraie pause qui est longue, et là, ça déclenche l'attaque. Ouais, d'accord. Faites des pauses. Alors, bon, là, on parle pour non, le coup. Non, mais n'animez pas. Non, mais il faut être capable de faire les deux. Il y a des leurres qui ont besoin d'être animés, mais souvent, la pause, c'est aussi un moment. Alors, pour le brochet, on parle. Hein, c'est souvent aussi un moment qui signale au poisson que la proie est facile à attraper et qui déclenche la touche. Sur le centre, clairement, hein. Alors souple qui fait le yo-yo dans l'eau, vertical, qui monte et qui descend à 30 cm, tong, 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 tong. C'est quand même assez rare que ce soit l'animation qui déclenche des touches. Ouais. Après, sur une autre technique qui est le linéaire, c'est beaucoup le contrôle de ligne. Il y a beaucoup de touches qui sont ratées parce qu'il y a un manque de sensation, que les pêcheurs n'arrivent pas à rester au contact de leur leurre. Ouais. Donc des fois, il y a des mous dans la ligne, voilà, c'est le contrôle de ligne est très important. Surtout quand on pêche léger, j'imagine que c'est plus difficile. Évidemment, plus on pêche léger, plus c'est difficile de sentir le fond et de garder une ligne tendue, un bon contrôle de ligne. Il faut être capable de trouver le juste milieu. Alors c'est vrai qu'il y a des jours, c'est intéressant de pêcher plus lourd, hein, parce que ça donne une animation plus saccadée, plus nerveuse au leurre, plus agressive. Mais ça, c'est toute la magie de la pêche, hein. C'est être capable de trouver la bonne animation, le bon grammage, le bon leurre, au bon endroit, au bon moment. C'est une multiplication de combinaisons. Complètement. Qui fait qu'on est dans le vrai ou dans le faux. Et des fois, on passe complètement à côté. Parce que pour un tout petit détail, ça se joue à un mètre près parce que les poissons sont sur la cassure et puis on passe un petit peu trop loin. Ou alors on pêche pas tout à fait assez lourd et puis les poissons ont besoin que ça tape le fond. Ou on anime un petit peu trop, 20 cm trop d'amplitude. Et puis jette. Putain, mais t'en as vraiment un. Oui. Parce que j'étais accroché à une branche. Je croyais que tu me disais pendu pour moi. Super.
Ça fait combien ça? En 60, mais bien gras surtout, c'est des beaux poissons, de, des beaux poissons d'hiver, tu vois, bien large. Il est en pleine forme, il a un beau ventre et tout ça. Comment on tient un centre? Tiens, tu vas me montrer qu'on va en profiter. Idéalement, en faisant bien attention à ne pas le prendre, pas toucher les ouïes. Ouais. Tu viens prendre la première fente là, tu vois ici. Ok. Voilà. De toute façon, ça bouge pas beaucoup. Voilà, puis avec ton pouce, tu vas mettre ton pouce par-dessus là plutôt. Plutôt par-dessous, voilà, par-dessus. Dessus. En dessous de l'œil en fait. Ici. Voilà. Et là, t'as une bonne façon, tu vois, tu le tiens bien, puis avec ton autre main, si tu veux faire une photo, t'as juste à le lever. D'accord. C'est beau, c'est solide. C'est joli. Il est beau, il est chouette. Ouais, c'est toujours pas des gros poissons, mais... Beau centre de scène, bien puissant. Super. C'est possible de dire quel âge il a, ou de, vu la taille, ou des choses comme ça, non, ou pas possible, du tout, c'est impossible. C'est impossible, je suis pas un grand spécialiste ni de la scalimétrie, ni de... Ouais. Je dirais que c'est un poisson qui a 5 ans. Voilà, nous n'avons pas touché les gros sujets sur la scène malgré tous nos efforts. Mais les spécimens sont très nombreux dans nos fleuves français, nous le voyons régulièrement, et Arnaud Brière le premier en témoigne ces quelques photos. N'oubliez pas que tous les conseils d'Arnaud vous permettront d'optimiser vos chances, mais qu'au final, c'est le poisson qui décide et que chaque jour dicte ses propres règles.